sol, Fox Novembre Lima, point d'attente 26, dur, je suis prêt. Novembre Lima, la... la tour, vous avez appelé ? Non, sol, on est sur le sol. Non, on est sur le sol, le Fox Novembre Lima, point d'attente 26, dur, prêt. Non, oui, on a reçu. Donc avancez-vous un petit peu jusqu'au point d'attente. Maintenez le point d'attente, veillez à tour 118. Et donc pour info, on est passé en 08. Vous verrez avec la tour pour la manip. C'est reçu. Donc on s'approche au point d'attente. On veille 118 décimal 6. On voit avec eux pour la manip. Roméo Victor, alignez-vous 08 dur et attendez un Cessna en finale gazonné. Je m'aligne et j'attends Fox Roméo Victor 08 dur. C'est rare de se retrouver comme ça. Attends, j'ai décollage 08 dur, 0,40 degrés 4. Ouais, je crois peut-être qu'il va nous demander de ressortir par là. Décollage ouais. Juste en Victor. Vendre Lima, le tour, bonjour. En mesure de pénétrer, de remonter rapidement à 08. Affirme, on peut pénétrer et remonter à 08 rapidement. Fox, normalement Lima. Non, Lima, remontez la 08, alignez-vous, rappelez près. On remonte 08, on rappelle près, Fox, normalement Lima. Bon bah c'est l'île dit. Bon Delta, donc sur votre avant gauche, PA 28, montée initiale dure, sortie vers le sud. Bah alors... Albadin il est pas actif. Victor, secteur arrière droit, c'est une montée initiale gazonnée tour de piste qui a visé sur vous. Bien, c'est sauf sur Victor. Bon, on est à 1400. On va croiser derrière, alors Delta, pas de problème. Novembre Lima, ça va faire un peu juste, hein. Donc vous sortirez à novembre 3, la prochaine à droite, et vous gardez ma fréquence, vous remontez jusqu'au point d'attente 08. On sort par là, ouais, j'ai compris. C'est reçu, Fox Novembre Lima, on sort à droite immédiatement. Bouge pas. Ah ouais, on part, c'est à nous. Québec uniforme en finale 08 dur, point touché. Québec uniforme autorisé touché 08 dur, dans 0,30 degrés, 3 nœuds maximum 10. Autorisé touché 08 dur, Fox Québec uniforme. Ah oui, effectivement, il est là-bas. Avec toi pour quitter. Hop là. Le Victor 7000 quitté, à plus tard. 7000, Foxtrot Victor, à plus tard. Novembre Lima, alignez-vous 08 dur et attendez. Novembre Lima, je m'aligne et j'attends 08 dur. On a la pompe, on a un cran de volée. Novembre Lima, autorisé décollage 08 dur, vent 0,40 degrés, 3,2. Autorisé décollage 08 dur, Fox Novembre Lima. Bravo Oscar, bravo Victor, Lonitour, bonjour. Fox, bravo Victor, à 29,41. Puissance, talon de plancher. Destination Sémurant-d'Auxois pour un transit de 15 éco. Bravo Victor, transporteur 3726, transité à convenance que 9023, rappelé approchant du point écho, pas de trafic signalé pour l'instant. Bravo Victor, rappellera approchant écho. On tire 70 nœuds, on maintient dans l'axe. 70 nœuds. Il est à 80 cet animal. Route 120. Hop, route 120. La grue, je sais même pas. Ah bah y'a plus de grue, elle est enlevée celle-là. Alors la route 120 là, un peu à droite encore. Voilà. Route 120, c'est vrai que la bonne visibilité là c'est moyen.
Numéro 08, gazonnée, rappel final, demande Delta. Plus de pompe, plus de volets. Les volets sont bien rentrés. On est au 120, on grimpe, on cherche 1400. Visibilité de merde. Bravo Victor, approchons Echo. Bravo Victor, poursuivez, rappelez pour quitter un Robin, est actuellement en montée initiale pour une sortie vers Melun, route sud. 1400 Bravo pieds, Victor, bien reçu pour le Robin en montée initiale à destination Melun. Je rappellerai pour quitter. Et actuellement dans vos 9-10 heures hein, pour 2 nautiques. 9-10 heures de 2 nautiques, bien reçu, bravo Victor. Correction, il est dans vos 2 heures. Bien reçu pour 2 heures. Ok. Dernière fois que Golf Hotel Papa 2 fois, rebonjour. Bon, bonjour Papa 2 fois, transpondeur 3730, hein. Rappelez Echo. 3730, transpondeur, rappelez Echo. On peut quitter la fréquence. Ouais. La tour de Fox Novembre Lima pour vous quitter. Bon, Lima 7000, quittez, à plus tard. 7000, on quitte tout à l'heure. Bon, je vais y arriver. Bon, ok. 1460, 2450. Fox Uniform vente arrière hein, pour un toucher. C'est faux. Uniform numéro 2, le précédent Cessna final gazonné, rappelé en finale 08. Je te change la fréquence. Ouais, numéro 2, Uniform, bonjour. Le Fox Golf Bravo Tango Uniform, c'est à 28 en provenance d'Auxerre, destination de vos installations, à 1 minute verticale Ciramaïque, 2400 pieds QNH 1021. Ok, on est stabilisé, on a du 115, 2450, on est en fréquence avec Melun. Ah, avec Melun, il est prêt, hein. Ok. Et je t'ai mis la fréquence de pompe sur un imprévu. D'accord, ok, merci. Très bien. Bon alors, on a des repères à peu près. Voilà, terrain de golf à gauche. Ouais. On est sur la route Bing à gauche. Melun de Fox Golf, novembre Lima, bonjour. Par contre, pourquoi il nous met à 8000? Ah oui, c'est... Bah, on n'est pas sur novembre là. Ah non. Non, il y a un problème, là, il continue, ouais. Ouais. Melun, le Fox Golf, novembre Lima, DR400, en provenance de Logne, à destination de Pont-sur-Yonne, 1500 pieds à 2 minutes de novembre, pour transiter la CTR vers le bord de Melun. Fox Tango Uniforme verticale Ciramaïque, 2300 pieds QNH 1021, je fais route vers les installations, descente vers 1800. Voilà, auto-info de Fox Alpha Mike PA28 à destination de Deauville. Je viens de passer, bravo, je quitte sa fréquence. Bon, là il est bon, mais là... Non, il a, là, à la place de ça, il a pris le vent de Melun et pas le plan Melun. Ah d'accord, mais c'est parce que je l'ai pas marqué en fait. Ok, c'est bon, alors c'est normal. C'est pas grave, de toute façon ça fait quasiment une... C'est quasiment la même chose. Ok. Je laisse comme ça? Ouais. Alors, le prochain point, ça sera une route 165 et on va tomber sur pour Blandy. Je crois qu'on va même pas sans Kikina essayer de faire un truc. On va passer à côté de Blandy, là l'éclairage il est minable. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire des photos. Donc on est sur novembre, 1460 pieds. Prochain, j'ai dit 165. On est sur du 145. Melun, Fox, novembre, Lima, on passe novembre, 1500 pieds. On se dirige donc sur le voir de Melun avec une verticale, le Blandy, les tours. Alors, 165. Est-ce qu'on a du vent, 7 à gauche? Alors, on va garder 163. Voilà.
y en a un qui se dirigeait sur Sierra Mike, mais nous, on n'y va pas. Bon, ça, c'est le problème de partir un peu tôt, en fait. T'as des visibilités ouais. Pourquoi il veut descendre, là? En 57, c'est pas bon. Belin, il doit être quelque part à droite là-bas. 500 grenier formé, 1000 litres de verticale installation, 1800 pieds canage de l'interne. Voilà. Donc on a l'axe ici, on a, pour trouver Vol-Vicomte, c'est Blandy-les-Tours, c'est un petit peu plus à gauche. Donc j'avais dit Blandy-les-Tours, en fait, faut passer sur plutôt 159. J'ai encore pris 100 pieds. Maintenant, si c'est pas ce qu'on a devant nous, là. Ah c'est ça. Merde, il est juste là. Là regarde, Vol-Vicomte là-bas. Sauf sans connaissance, verticale installation, je m'intègre début devant arrière, main gauche, piste 28. Merde, viens à droite. Ah, je m'écarte un petit peu. Ah, c'est le laser, je vois. Bah, il est joli, hein. Ouais. Et il se visite aussi, hein. Ah, il y a des gens. Bon. Bien sympa avec les tours. Hein? Avec les tours, c'est bien sympa. Il a la 15 tours. De... On est passé un peu près dessus, je dirais, non, là. Ouais. Alors, à partir de Blandy-les-Tours, j'avais dit que c'était 174 pour le voir de Melun. Ok, on est en train de rentrer dedans là. Hop là, pardon, à droite. Fox Tango uniforme, début vent arrière, main gauche, piste 28. Voilà. Alors on a 6 fois 5, 30, ça fait 3 degrés, voilà, 170, 171, c'est bien.
Alors il est quelque part par là-bas. Melun de Fox Golf, novembre Lima, nous quittons le, votre secteur. Au revoir, bonne fin de journée, bon vol. Bonne journée. En principe, le VOR il est quelque part au milieu là. Est-ce que ça sert à rien d'essayer 134 de ces matchs-là? Ouais, ouais. Visuel sur le VOR. Donc ensuite, ça sera donc. On prend donc pas la route qui est indiquée 119, sinon on tape directement dans fond Yonne là. Donc on va prendre un 104, c'est-à-dire une quinzaine de degrés à gauche. On tente, hein. Tu peux tenter le connecteur quand tu veux. Ouais. Bon, ben, je vais faire le virage. C'est l'info de Fox India Alpha pour quitter et passer avec, avec Melun Info sur 120 unités. India Alpha, donc les deux tracés précédemment signalés que vous ne voyez pas, l'un sur votre travers gauche, deux nautiques, gauche vers droite, il passera derrière vous, l'autre vertical, le bord de main climat novembre, il ne vous embêtera plus. Rien d'autre à vous signaler, 7000 quittés, puis Melun Auto-Info, 121 unités, au revoir India Alpha. Ok, au revoir, 1400 monsieur, merci, pieds, on a une belle 7000 verticale. Au profondeur. Donc j'ai dit 104 pour ça là. Fox Alpha, un appareil dans vos midi, 3 nautiques, gauche-droite, il est 700 pieds bas. Visuel, ok. Scène information de Fox Golf, novembre Lima, bonjour. Fox Golf, novembre Lima, bonjour. Le Fox Golf novembre Lima, DR400 en provenance de Melun, destination de Pont-sur-Yonne, actuellement 1450 pieds pour passer en fréquence avec vous. Novembre Lima, le QNH régional 1023, le transpondeur 3451. 3451 au transpondeur, donc on pourrait monter à 1700 pieds. Je vous dirai ça quand je vous verrai. Fox Alpha pour quitter pour passer à Melun, on a une idée. Fox Alpha, le trafic signalé est croisé, 7000 quittés, bonne journée, au revoir. Merci monsieur, bonne journée à vous, à bientôt. Fox Alpha, vous souhaitez remonter jusqu'au niveau 55. Qui veut monter? Fox Alpha, vous souhaitez remonter au niveau 55 s'il vous plaît. Romain Victor, montez 55. Fox Alpha Victor. Novembre Lima, vous voulez monter à quelle altitude? 1700 pieds, Fox Novembre Lima. Novembre Lima identifié, vous pouvez monter. Reçu, 1700 pieds, on prend les 200 qui nous manquent. Fox Golf Sierra, bravo Charlie, c'est radio. Fox, bravo Charlie, je vous reçois. Eh bien bravo Charlie 5 également, sortie de mes zones, 7000 quittés, contacté Paris Info, 129, décimal 625, au revoir. Ok, donc on passe au-dessus de l'air là. Fox, attends. Bravo Charlie, j'ai quitté la fréquence, je passerai directement avec Blois. Eh bien invitez bien la Papa 34, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. C'est l'info de Fox, bravo Oscar, bravo Victor, bonjour. Bravo Oscar, bravo Victor, bonjour monsieur. Face à bravo Victor, un Vasseur 41, 4 personnes à bord, en provenance de Shell, à destination de Semurand-Auxois. Actuellement, nous avons passé Nangis et nous sommes à 1500 pieds. Bravo Victor, le QNH 1022, le transpondeur 3452. 3452, 1022. Alors bravo Roméo, arrive à 2 minutes, on va sur le 35 devant nous là. On a signalé bravo Roméo. Et ensuite on tire à droite et on vise, tu vois, regarde, on va couper l'autoroute. Et en fait on va passer au-dessus des lacs qui sont à la fin des lacs. Alors la température extérieure est de 5 degrés, oh, bah, c'est bon. On est loin au-dessus de, au-dessus de... Donc là c'est Montereau, Fond Yonne. Maintenant comme ça. Lima Tango à 3 minutes de la sortie de mes zones, 7000 unités, la suite Paris Info, 126 unités. Donc revoir. La route suivante à partir de là c'est 131. Bonjour, hélicoptère Fox, Hôtel Tango Oscar Romeo. Je vous rappelle Oscar Romeo.
Fox Golf India, Lima Tango, vous avez reçu. Lima Tango, Lima Tango, Paris Info 126 décimales unitaires, va. Je contacte Paris Info 126 décimales unitaires, merci, Lima Tango. Bravo Victor, identifié radar, vous ferez la croisière à quelle altitude? Je souhaiterais monter à 2500 pieds. Voilà, monter 2500 pieds, bravo Victor. 2500 pieds, pour bravo Victor. Donc, Oscar Romeo, bonjour, j'écoute. Bonjour, R44, en provenance de Toussus, à destination de la zone ULM du PRE près de Montargis. Deux personnes à bord, je viens de quitter avec Paris Info, je suis à 2500 pieds avec un faux 4700. Je vais à 32, ça sera bon. Fox Hotel Tango, Oscar Romeo, le QNH 1023, le transpondeur 3455. Ok, tu en es sur le segment de ligne droite, 3455. Donc on est bien dessus là. 3456. Ensuite on se prend l'enchaînement des. 3456, confirmé Oscar Romeo. Les étendues. Alors, petite ville devant toi. Y'a quoi? Petite ville? Ouais. Effectivement. Bien vu. Fox Golf Yankee, Papa Mike en sortie, 7000 cités, la suite Paris Info, 126 unités, au revoir. 7000 et Paris 126 unités, merci. C'est joli hein, ces étendues. Hein. Ah. Oscar Romeo, identifié radar. Merci Oscar Romeo. Ok, donc à partir de là, on va commencer à réfléchir à l'atterrissage. On a déjà préparé tout à l'heure. Donc on arrive comme ça. La biroute, elle est en fin de bordure de terrain, enfin, pour la départ de la 32. Donc on va la chercher, on arrive à gauche. Faut pas se mettre trop loin de la piste, sinon on passe au-dessus de la ville. Alors il nous dit qu'on est à 4 minutes, 5 minutes, très bien. En 25, on est bien. Alors là, si on a repris la route, on doit prendre une 120. 120, 120. Là, on est dessus. Bravo okay. Victor, pour poursuivre ma montée à 3500 pieds. Bravo Victor, montée 3500. Bravo Victor, je monte à 3500. 4 minutes. C'est l'information de Novembre Lima, Fox Novembre Lima. J'écoute Novembre Lima. Fox Novembre Lima, nous sommes à 4 minutes de Pont-sur-Yonne pour vous quitter, passer en fréquence avec eux. Novembre Lima, 7000 quittés, bonne journée, au revoir. 7000 on quitte, à tout à l'heure, Fox Novembre Lima. Allez, monsieur, ok, 700 pieds, 1800 presque. 3 minutes 50. Pont-sur-Yonne de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Pont-sur-Yonne, le Fox Novembre Lima, DR400 en provenance de Melun, destination de vos installations, actuellement 1800 pieds, vertical estimé dans 3 minutes. On rappelle en terrain en vue, Fox Novembre Lima. Papa Québec à Pont-sur-Yonne, début de vent arrière pour la 32 droite. Ok, très bien. Victor Echo, je m'aligne, je décolle en 32 gauche. Bon, tu sais quoi? On va ralentir, on n'arrivera pas comme une balle, 3 minutes parce que l'on voit rien. Allez, 1900 tours, on reste à 1800 pieds, ça donnera un peu de marge. On a dit 1900 tours, 1800 pieds. Symétrie, hop, on tire le machin, en nœud. Donc il est pas loin parce que ce truc là, la route qui fait ça, on la voit là. Ouais. 92,9, 1800 pieds, 900 tours, c'est 1900 tours. On compense. On voit la grande antenne qui est là-bas. Ouais. Alors, on a la ville, 90 nœuds,
Ah tiens, on a ce truc là, ouais. La bordure là qui fait ça comme ça, clac clac. Une sorte de U. Faut qu'on y soit dessus, c'est mieux. Voilà, 80 nœuds. Papa Québec, étape de base pour la 32 droite. On n'y est pas encore dessus, parce qu'en toute façon, avant le terrain, ça fera un coude comme ça avec un espèce de lac. Il ne doit pas être loin. Et peut-être quelque part juste à gauche. Tiens, regarde, juste là. Papa Québec en finale pour la 32 droite. Juste à gauche, là, t'as un patelin, t'as la ville, t'as un temps. Ouais, je pense que c'est celui-là. Ok. Après, t'as une autre ville ici. Bon sur Yacht de Fox Novembre Lima, on est à proximité du terrain, je pense qu'on l'a en vue, on doit être à 1 minute de la verticale, on est 1900 pieds. Donc on avait entendu que c'était la 32, on va faire une intégration standard pour un vent arrière main gauche sur la 32, droite, gauche. On est à la verticale, hein. Tu vois la piste? Ah, ah ouais, je la vois. Ok, donc on va faire un truc très classique là, ouais, hein, on y va pénard. Alors, le QFU. Confirme du Fox, Fotalien qui Fox, bonjour. Confirme du Fox, qui Fox, PA28 au parking, je roule pour un vol local, point d'arrêt 32. 323, donc. Voilà. Papa Québec, 32 droite, dégagé. Sur Yacht vertical pour le Fox Novembre Lima. Bon, il va être sur les installations. Ok, il est 57. Donc on s'éloigne un petit peu. Marc, tu me diras, on n'est pas obligé d'aller bien loin puisque. Voilà. D'accord, donc on va aller là-bas à gauche, on va faire un virage comme ça, d'accord? Bon, sur Yacht, Fox Novembre Lima. Donc on reste 1900 pieds, on va s'intégrer sur la vente arrière en 32 gauche, en passant au nord de, du petit village, là, sur la 14. 32 droite, en gauche. Ah, l'avion il est sur la gauche, hein. Ok. Papa Québec, je m'intègre sur la 32 droite pour un décollage immédiat. Ah, ils sont tous sur la 32 droite. Ah bon? Elle est plus large. Plus large? Ouais. Ok. Bon, bon, on a dit ça. Ok, 330, tu vois, 332. Donc on a dit que le QFU c'était 323. Voilà, donc là on est parallèle là. Très bien. Bon, on se la joue tranquille là. Ah c'est bien. Bah il vaut mieux hein. Donc derrière tu vois on a les deux villages là-bas. Ok c'est bien, donc on voit bien le... Papa Québec, 32 droite, décollage. Pour s'intégrer sur la vente arrière, on a le coude, voilà, il faut taper dans le coude là. Tu vois? Oui. Clac, clac. Donc il faut viser le virage que ça fait là-bas. Donc on va s'éloigner un petit peu, on va contourner l'autre là-bas, arriver
prend notre minute d'éloignement, tu sais. Par contre, on est dessus, là. Il y en a un qui décolle, en principe, donc il va falloir faire gaffe, quand même. C'est bon, il est parti. Alors, je descends un petit peu, là, sur 1700. Pour enrouler et arriver tranquille au bilou à 80 sur l'avant arrière. Ça te va? Ouais. Alors on réduit 1800. Là, on réduit un peu plus même. Bonjour, c'est le lendemain, on est de retour d'un local nord. Sud-ouest, on est à 1 minute de verticale, 2000 TQNH, terrain en vue, on rappellera verticale. Reçu pour le Fox Novembre Lima, donc on va s'intégrer en vent arrière dans environ 2 minutes. On a enroulé vers le nord, large, on est actuellement 1400 pieds, on va s'intégrer donc 1200 pour la main gauche, pour la pente de droite. Attention, voilà. Du Fox, Yankee Fox, je pénètre et ma ligne en 32. Ce sera une droite de gauche. Nœuds, c'est bien. Donc tu vois, c'est lui là, le coup. Ok, 1200, bouge plus. Du Fox, un qui Fox, je décolle en 32 gauche. Voilà, tu le vois le U là? Ouais. Ok, donc on se met dedans. On se met dans le U et derrière le U il y a le petit lac et donc on passe dessus, c'est la verticale. Ah, c'est le. Bon, sur Yonne, Fox Novembre Lima, début de vent arrière pour un complet sur la 32 droite. Servir ou c'est 30 de gauche. C'est reçu pour le 30 de gauche, sauf qu'on y va, merci. Alors, on est dedans, hop, un cran de volée, la pompe, 1200 pieds, 143, voilà, on est dessus. Alors, on est 80 nœuds, un cran de volée, la pompe, 1200 pieds. Donc maintenant on passe le village qui est ici. Bon, salut, c'est le lendemain, on est vertical d'installation, on va s'intégrer en vent arrière, 30 de ma droite. On est stable, 80 nœuds. En 44, on a 8 de gauche, donc je compense un petit peu. Ah là, je vois le premier virage pour la pour le demi-tour, enfin pour la base. En 33, c'est un peu exagéré quand même. Novembre Lima, milieu de vent arrière, point complet sur la 32 gauche. Donc on passe la forêt en fait. Donc on cherche les 800 pieds. Voilà, le premier village, Évry, et le deuxième, je sais plus comment il s'appelle, Cully ou un nom comme ça. Entre les deux on passe. Et on passe entre les deux. On est 143, on est bien. D'accord. On est 1200 pieds, 139-140, c'est bien. On a dit qu'on cherchait 800 pieds. Pour la finale. 23. On se met de Lambert en basse, 32 à droite. Ah bon?
Ah oui, d'accord, donc il est en face de l'autre côté. Bon, on va virer, je le vois pas. Bon, sur Yacht, Fox Novembre Lima, on passe en base, point complet 32, gauche. Bon, ça va, tu es en bas au final, 32 gauche, point. Ah, ça y est, visuel. Visuel sur vous. Ok, on réduit, on descend, 800 pieds. C'est bien, 900 pieds, on va être bon. Ok, je commence à virer, on est 800 pieds, ça tombe bien. Alors, la gauche, c'est là où il est, la gauche, hein? Oui. Alors, deux crans de volée, la pompe, je l'ai enlevée, je la remets. Bon, sur Red Fox, novembre Lima, en finale, 20, 32 gauche, point complet. Visuel sur l'appareil qui dégage à tout. Faut se mettre devant beurre, là, 32 gauche dégagé, on remonte le taxi, ouais, pour parking, allez, passe. On peut bas. 70 nœuds, c'est bien. Devant droite, il n'y a plus rien. Ok, on cherche l'axe. 323, on est sur l'axe. 70 nœuds, on bouge plus. T'es d'accord? Ouais. 68 nœuds, c'est nickel. On réduit un petit peu. Hop là. Allons plancher. Le vent vient de droite. On réduit tout. Du tout. 70 nœuds. Arrondi. On réduit. Oh, de lui. Bon, c'est qu'on sort là. Papa Québec, retour vertical terrain dans une minute pour une intégration main droite. Je suis à 2000 pieds. QNH parle sud-est. Ok. Bon, on va se mettre comme ça et on va tout réduire. On va dégager. Pont sur Yonne, Fox Novembre Lima dégagé, la piste 32 gauche est dégagée. On va rouler au parking. Alors, on enlève la pompe, la réchauffe, on est à 7000, ça bouge pas, on reste sur la fréquence, on enlève les volets, on roule. Et il est 12h13, 11h13. On est très à droite de taxi, oui. Ouais. Papa Québec, vertical terrain, je vais m'insérer sur circuit 32 main droite. Donc c'est moi qui ai trompé, c'est toujours à la gauche? Ben ouais. Enfin c'est ce que j'aurais dit moi en voyant la vague. Après il y a les basés qui partent à droite hein. Là c'est pas écrit nulle part donc Bon alors on va aller se mettre au parking là. Premier parking qu'on trouve. Bon bah tu vois depuis le temps que je voulais venir à Pont-sur-Yonne. Ouais. Alors je salue notre ami, mon ami Olivier d'Azur. Bon j'y ai pas dit de venir parce qu'on n'avait pas un petit timing à respecter on va dire. Mais je l'ai prévenu qu'on allait passer par chez lui en fait.
Centurion du Fox Alpha Juliet, bonjour. Centurion, un PA28 Fox, Golf Delta Alpha Juliet, 4 personnes à bord, venant de Shell, destination vos installations. On est à 2000 pieds QNH et on est à 3 minutes des installations pour une. Et on rappelle vertical terrain. Quand on n'a pas l'habitude de l'herbe, ça fait bizarre. Ouais. Bon, heureusement que c'est bien balisé finalement avec les roulages, mais. Bon, alors où est-ce qu'on va se garer maintenant? Papa Québec, début devant arrière pour la 30 de droite. Ah, du côté de la tour là. Ah, j'imagine, hein, je sais pas. Bon, de toute façon, on va gêner personne. Hein. Ah, c'est le but. On va dire bonjour quand même. Ah, on va se mettre là devant le hangar là. Or. Voilà. Youhou. Mais en position de départ. Voilà, on est dans l'axe, on réduit à 1000 tours, 2200 tours, et on l'a fait propre. Blablabla, avant la descente, tout ça c'est pas pour nous, amarrage, non, on est là. La roulette donnée dans l'axe, le frein de parc il est serré, la radio en aucune fréquence. Bon, sur Yacht, Fox Novembre Lima au Parking Club, on quitte l'écoute tout à l'heure. L'avionique master, hop. Le moteur, il est 11h11. Alors, 52. Ouais. Tu le mets dans l'alphabet ou pas forcément? Non, je le mets en fonction de, comment dire. Salut à Olivier. Voilà. Il n'a plus de son, mais... Ouais, ouais. Ah bah si, il y a du son, là. Ouais. Voilà, donc Olivier, on va passer au-dessus de Chili tout à l'heure. On va se reposer 5 minutes, et puis voilà. Tiens, il y a un appareil qui est là-haut. Voilà, on ne le verra pas, mais... Très bien. Allez, à tout de suite.